ce qui est horrible, c'est qu'on va juste voir le pied taper. Hey! Il l'a mis, je pensais pas du tout. Qu'est-ce qu'on va faire, mon cher Jordan? On rentre direct dans le vif du sujet parce qu'on a très envie de le faire et parce que, honnêtement, je suis pas très inspiré pour l'intro. En intro, moi je propose tout le temps quelque chose à chaque fois avec toutes les personnes avec qui je peux tourner dans ma vie. Génial, vas-y. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour... C'est là que j'interviens? Une vidéo divertissante. On va faire un feat, tous les deux. C'est pas ça, ben non? Nous allons faire une vidéo mi-réaction, mi-mini-jeu. Mi-mati, mi-géniard dans Harry Potter. Mi-molette, c'était le moins bien des trois. Ah oui, en attendant une petite démonstration du fauteuil que j'ai acheté, que je me suis fait avoir arnaquer sur Instagram. Il est décevant, mais il est impressionnant, et je me suis dit, il l'a jamais montré, autant le montrer. C'est vrai. C'est terrible parce qu'on fait vraiment une intro de 8 heures. Finalement, ça va être très long. Il y a eu là, ces dernières semaines, une mini-hype sur ce site. Il permet de transformer un visage en toon. Regardez, exemple avec deux captures d'écran prises maintenant de Seb et moi. On nous a préparé un PDF avec plein de personnalités, plein de gens très connus, donc très reconnaissables dans la vie quotidienne, version Toon Wish. Et il faut deviner le maximum de personnes, évidemment. Il y a un truc pour le perdant, il existe un site où sont référencés des costumes. Il y a plein de mascottes très très laides, et vraiment très moches et très très chères. Assez imposant, gros, lourd, moche. Le gagnant va choisir un costume pour le perdant, et il devra le porter et faire un mini shooting photo, dans des poses stylées un peu urbaines. On se le fait. On se la donne? Il y aura un certain temps, du coup ça se passera sur Insta, l'Insta de Seb, ici. Mon Insta ici. Venez follow. Le temps de commander le costume, je pense qu'il n'arrivera pas en 3 jours. Pré-feu, partez! Ça, c'est Tom. C'est la personne qui a préparé le PDF. Je me demande, t'as vu où on en est maintenant? C'est vrai qu'on peut se tooner, on est blasé. Ouais, c'est vrai. On est là en mode, oh, c'est trop mal fait, ouais, grosse merde. Mais tellement, mec. Il y a 2 ans, c'était fou, on mettait des films sur nos visages. Voilà pourquoi il y a un feat avec Seb, on a les mêmes réflexions. Moi, le vrai truc, c'est de me dire, là, genre ça, tactile comme ça, alors que j'avais un LG Chocolate. Eh, attends, ça marche pas, trop chiant. Je tape dessus, et le LG Chocolate, il y avait une touche qui était tactile, et c'était waouh! Mon flow de l'époque. Une petite photo maintenant. Je sais pas si on a vu. Du coup, tout ça pour dire, on est des rageux. Ouais. C'est tout. C'est une bonne conclusion. On va essayer de deviner des gens qui ont été transformés via un algorithme incroyable, mais qu'on va juger en disant il est pas ouf. Ouais, on va dire bah de la merde. Tu me prends en photo là? Oui. Ok. Bah, moi c'est honnête, c'est la première fois que quelqu'un est honnête comme ça. On t'a déjà arrêté pour te prendre en photo. Oui. Tu sais, il y a des gens, ils demandent des photos et machin. Il y a des gens, ils font je peux te prendre en photo? Ils sont là, ils font non, ils te prennent comme ça, ils font. Ouais. C'est une photo qui va dans une cour en mode MDR, regarde-le lui. Mais c'est ça. Et toi, vraiment, t'as cette pose. Bah tu me prends en photo là. Il y a 0% de confiance, faites pas ça, ça nous met très mal à l'aise. Manche infacile. Ah quand même, franchement je suis confiant. Attention, c'est la catégorie fastoche. Vas-y. François Hollande. Bon, évidemment. S'il était dans un dessin animé, quel serait son rôle? Franchement, il est touchant. Et il va vivre un truc où, à un moment donné, il va se sacrifier pour son fils, tu vois. Alors que c'est Monsieur Loser ou un truc. Ah c'est, ouais, c'est une belle histoire. On dirait... Je sais... Robin Williams. Robin Williams? Ah moi j'aurais dit celui qui est hypochondriaque. Il y a un petit plaisir de Monk. C'est Monk. C'est vrai, tu l'as? C'est Monk de ouf. C'est un mélange entre Monk et Robin Williams. Je ne comprends pas. Ouais, je crois que c'est facile. En tout cas, si c'est pas ça... Moi je me dis la même chose. Je me dis alors là, si c'est pas ça... C'est quand même abusé quoi. JDG? Ouais, joueur du grenier. Joueur du grenier? Évidemment, c'est facile. Il y a eu un problème d'œil, je pense, à cause des lunettes, à mon avis. Alors, dans un dessin animé, il ferait quoi, lui? Il me terrifie. Hein. Je sais, un dessin animé où il y aurait des enfants qui sont dans une maison à un moment donné, et ce seraient les cambrioleurs un peu bêtes. Ah, qui viennent et qui font bousculer les trucs. Ouais, voilà, c'est ça, qui font énormément de bruit. Qui... Hey, mec. Ouais, ça marche bien. Ah. Bah, si, facile. Ah ouais? Il y a un premier doute chez moi. Ça, moi, je te dis pas, je te fais deviner pour voir si petit à petit. Ok, ok. Il est acteur, il fait lui-même ses cascades. J'ai la même alors. Tu as la même? Jackie Chan. J'ai mis Bruce Lee. Non, c'est Jackie Chan, il a la tête à Jackie Chan. Mais c'est 100% Jackie Chan. J'avais la réponse, mais j'ai confondu les deux, je suis trop nul. Ah, c'est lui. Non, non, bien joué, moi j'ai dit Bruce Lee, mais je dois plus me souvenir du visage, je vais aller voir si ça a rien à voir. C'est terrifiant à quel point ça n'a rien à voir, le visage de Bruce Lee et le visage de cette personne. Voilà, je suis pas du tout physionomiste. Après, ouais, c'est toute une culture aussi, les films de Jackie Chan et tout. Mais c'est vachement bien. J'en ai vu aucun. Il se bague des chaises, des tabourets, des escaliers. Non, c'est trop fort. Mais là, pareil, quel est son rôle? Il est cuisinier. Ouais, et il aide la population, il est gentil. Ouais, il est gentil. Ça me va. J'ai trop hâte de voir la description. Pour chaque personnage, faites une description. Oh bah. Mais quand je suis arrivé, ouais, j'ai fait des blagues. J'ai dit lui, en mode c'est sûr, il sera dans le test. C'est le premier nom que j'ai dit. Ah ouais? On peut aller assez vite dessus et dire que c'est Jean-Pierre Pernaut. C'est Jean-Pierre Pernaut. Voilà, magnifique. Tu me devances de 1 point pour l'instant. N'oubliez pas de faire ça, parce que du coup, bah, ça vous permet d'éradiquer, évidemment, toutes les bactéries qui sont présentes sur vos mains. Pas vrai? Vrai. C'est le petit point santé. Waouh, là, c'est plus dur. Là, c'est très dur, je trouve. C'est un très beau toon. Ouais. Elle est très belle. J'ai une idée de ouf. Attends. Mais moi, les cheveux frisés et tout, ça m'a fait penser à ma meuf. Bah, moi aussi. Je sais pas comment elle rendrait en toons, mais genre, je dirais Léna. Tu dirais Léna aussi? Ouais. Moi, je dis Léna.
Ah. Putain, ça, mais ça rend méga bien, ouais. Non, mais il y a un truc de... J'étais là en mode, c'est logique, mais il y a peut-être un piège. Mais du coup, Lena, il l'a mis dans Fastoche. C'était pas si évident que ça, en vrai. Ouais. Moi, ça m'est venu après un petit temps, en fait. Qu'est-ce que tu lui ferais comme vie, toi? Comme ça, la posture fait très chanteuse. Ouais, je la vois bien chanter, là. Je l'ai. Oh, attends, j'hésite entre deux. Si je peux revenir à égalité... Tic-tac, tic-tac, le temps passe. Je suis tellement concentré. J'hésite entre plein de gens. Ah, c'est... Moi, ça m'est venu flash. J'ai envie de tourner Bob. C'est un acteur. C'est pas le nom que je dis, mais là, ce que je dis, ça compte pas. Attends, quoi? Ça t'a fait bugger. Ah ouais, c'est pas le nom que je dis, mais là, ça compte pas. Cette personne-là me fait penser à un acteur que j'ai dit tout à l'heure. Robin Williams. Et ce n'est pas ma réponse. C'est vrai. Tu veux que je commence? Vas-y. Parce que moi, je suis pas sûr. Elton John. Elton John! Ah oui, putain, ça pourrait de ouf. J'ai mis, écoute-moi bien, Gordon Ramsay. Oh! C'est sûr, c'est lui. Mais oui, putain, non! C'est Gordon Ramsay avec un stylo sous l'oreille! Qui n'a pas été tuné! Incroyable. Eh ben alors, ça tourne pas rond dans votre tête? Wow. Mais imagine, tu vois, des petites lunettes, c'est Elton John. Ok, bien joué. Moi, je pense que lui, là, il est chauffeur de bus et il va vivre une aventure extraordinaire. Son bus va se retourner et va se remettre droit et il aura changé de monde. J'ai vraiment envie que ce soit illustré à chaque fois. J'espère qu'il boucle tes chaud. J'en ai 3-4, on dirait 3-4 visages mélangés. Peut-être vais-je prendre l'avantage. Alors, qui est cette personne? Putain, c'est qui? Je suis tellement... Moi, je pense avoir ma réponse, mais je suis sûr à 60%. Elle est âgée déjà. Elle a la petite ride de dessous le menton, là. Des petits cheveux blancs. Une femme mûre qui est dans les beaux âges. Vas-y, vas-y, je me lance. J'ai mis Hillary Clinton. Hillary Clinton? Ah, tu me mets le doute du coup, parce que c'est vrai qu'elle lui ressemble. Bah, elle ressemble bien, je trouve. Ma réponse va te choquer. Ah, quoi, c'est qui? Studio Daniel. Ah, ça l'aurait rajeuni de ouf. Verdict? C'est évident en fait quand tu vois la... C'est la personne. Putain, c'est énervant. Quand tu vois le truc, tu dis mais oui, pourquoi je l'ai pas vu? Je l'adore, ce Daniel. Ah ouais, bah pareil. J'aime beaucoup, très gentil. Dans une vidéo, elle a dit je ressemble à Slimane. Donc elle m'en voudra pas de l'avoir confondu avec... Avec Hillary Clinton, oui. Non, je pense pas. Manche bonus hardcore. 10 points. Attends, mais quoi? C'est quoi ça? Je sais pas, c'est écrit par Tom. Mais vraiment, en fait, c'est bien que là, soit j'ai 9 points d'avance, ouais, c'est ça. Soit t'as 11 points d'avance. Alors d'abord, je te propose de te dire quel scénario tu lui fais. Il a probablement des dossiers compromettants sur son ordinateur. Alors moi, c'est pas méchant, mais déjà, il a une belle cicatrice au-dessus du sourcil. Et surtout, oui. Il revient de Turquie. Tu sais, il est chauve implanté, là. C'est... Ah oui. Il se passe quelque chose. C'est vrai. Cette petite barbe, là. C'est quelqu'un qui est pas velu. L'épaisseur des sourcils. C'est vraiment des sourcils, quoi. C'est des autoroutes. Je suis pas sûr, mais j'ai envie de dire que c'est Hibou, mon monteur. Tu l'as vu tout à l'heure? J'y ai pensé aussi un peu, mais du coup, je me suis dit, c'est... Mais il le connaît pas, Seb. Moi, pour moi, c'est le truc le plus cohérent. T'imagines? Il est aussi vicieux que ça. Il a fait un face chauve, un face vieux et un toon. Et c'est Antoine Daniel. Ouais, incroyable. Là, ce serait incroyable. Il y a plusieurs layers de toon. Ouais, ce serait trop chaud. Non. Ouais, c'est vraiment dur. Il y a un petit truc familier, quand même, à l'image, mais j'ai pas mis le doigt dessus. Ah! Est-ce qu'on donne notre langue au chat de cette manche bonus? Ouais, je pense. Oh. C'est une blague? Quel rapport? C'est pas possible. Mais quel rapport, même? C'est violent. Y a rien qui va, mais pourquoi ça a donné ce résultat? Non, mais imagine, genre, avant, pendant qu'on réfléchissait, qu'on se disait peut-être Ribou, c'est pas malin, nanana, on aurait dit, il ressemble pas un peu à Lucas? C'est hyper vexant. Oh, les sourcils! Jamais. Oh, il revient de Turquie! Non, c'est terrible. On a fait que l'allumer. Mais putain, c'est vrai! On aurait pas pu trouver. Ah non, c'était impossible. Ma langue, je la donne à ce genre d'être. Oh putain. C'est un peu lourd, non? C'est... Moi, j'ai bien aimé. Personne chez eux n'ont trouvé. Il y aura toujours un petit commentaire avec « Bah moi, je le savais que c'était Squeezie !» Parce que je l'ai déjà fait sur cette photo. Il est fou, tu sais. J'ai testé toutes les photos du compte de Squeezie. Je suis fan de Toon Me et de Squeezie. Bon bah, bien joué, Tom, hein. Tu sais qu'en 2050, ces jeux n'existeront plus parce que les trucs, ils seront hyper réalistes. Évidemment, là comme ça, on le dit, là. Mais allez vous abonner à la chaîne de Seb, il sort plein de vidéos qui sont extrêmement intéressantes. Plein de vidéos, comment ça? Plein de vidéos, non mais je dis sur... Non, parce que je suis intéressé quand même d'y aller voir, mais genre, il est régulier, enfin... Il est pas forcément régulier, mais chaque vidéo se consomme comme un... Vous savez, des fois, les financiers. Ah. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que c'est. Petit financier. Et tu manges et tu dis, putain, c'est trop bon les financiers. Mais c'est pas le truc qu'il est là tout le temps. C'est gentil. Bah, allez vous goinfrer. Regarde comment j'ai déjà écrit. Mais moi je l'ai aussi. Ah merde, je voulais trop mettre un coup de pression. Pas du tout, zéro coup de pression. Qui va? Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, je l'avais aussi.
Franchement, j'ai plus galéré sur Studio Daniel, genre en mode... C'est vrai, mais on n'est pas à l'abri de nos surprises. C'est un Pixar qui s'appelle Super Crampon. Et en fait, c'est des crampons qui te font devenir une superstar et qui te font devenir hyper riche, mais la morale à la fin, c'est pas ça qui l'a rendu heureux. Quelqu'un lui a remplacé ses crampons par défaut et jouait tout aussi bien. Pixar, rappelez-nous, vraiment, on est très chaud de créer un Pixar. Et tout l'administratif, on s'en occupe. Très peu. Genre, t'imagines, tu proposes ça. Le mec est si gentil. Les chaînes de mail, on prend. Vraiment sans problème. Vous embêtez pas, en fait, je rirai, moi. J'ai le temps. Oh, cette personne que tout le monde veut recruter. C'est fou d'être aussi motivé. Une passion que tu trouves étrange. Il y aura forcément, quelqu'un qui est passionné par ça, tu vois. Moi, j'ai connu quelqu'un. Zéro jugement, évidemment, attention. Non, zéro jugement. C'est trop drôle à chaque fois de voir que oui, il y a des gens qui aiment ça. Non, mais zéro jugement, on était au collège, et tu sais, au collège, j'étais un peu bête. Et cette personne-là était fan de train. Mais genre, il reconnaissait de loin. Ça, c'est fou. Il connaissait toutes les références de train, les machins. Son rêve était de devenir conducteur de train, etc. Ça, c'est facile. Chose que sur Facebook, j'ai revu il y a 2-3 ans, il est devenu. Comment il s'appelle? Chauffeur de train. Il s'appelle Benjamin. On s'est beaucoup moqué de lui au collège. Ce qui est pas bien, tu vois. Il est trop bizarre, sa passion, tu vois. Et ben voilà, en attendant, il a réalisé son rêve. Et donc du coup, il n'y a pas de passion bizarre ou de mauvaise passion. Enfin. C'était une petite histoire très agréable. Ça peut être un pitch de Pixar. Ça peut être un pitch de cette personne. J'ai une idée tout de suite. Attends, moi je le note. Franchement, si c'est lui, ce serait cool, mais... Ah, je pense... Indice, c'est un homme. Bah gros, c'est un indice vachement... Mec, je t'aide, comme je peux, tu vois. Ok. Putain, j'hésite entre deux, c'est horrible. Moi, j'ai un nom. Moi aussi. Est-ce qu'il fait du Twitch en ce moment? Oh mec, on a... Ouais, c'est sûr, on a le même, non? Mais alors, je peux dire à qui j'hésitais? Non. Enfin oui. Waouh. J'hésitais avec Emmanuel Macron. 1, 2, 3. Samuel Etienne. Bonjour, il est trop sympa. Rigolo. Il a un visage d'ange. Samuel Etienne, bien sûr. Trop bien. Eh ben, moi j'ai une idée de pitch. Genre, ça pourrait être un gars. Il travaille dans un domaine où il y a plus trop de féerie. Il voit qu'il y a une nouvelle chose qui se... Et lui, en fait, tout autour de lui, tout le monde dit oh, laisse tomber ça, laisse ça aux autres générations, genre. Et lui, il est bousculé, tourmenté là-dedans, mais il a quand même son idée. C'est très Pixar, ça. Et là, il fonce dans cette nouvelle plateforme, cette nouvelle chose qui lui apporte quelque chose. Et ça cartonne et ça marche, quoi. Qu'est-ce que t'en penses? C'est notre super pitch. Déjà, elle est effrayante. Enfin, c'est les yeux là. Ouais, les yeux sont beaucoup trop disproportionnés. Mais j'ai la réponse, je pense. T'as la réponse là direct? Je pense. Mais elle ressemble à 1000 meufs là. Je sais pas. Ça m'inspire ça. Toomy, il déforme un peu les visages, tiens. Et la personne à qui je pense a un visage un peu plus carré. Je pense mais qu'on pense à la même. C'est la pochette d'album qui est comme ça. 1, 2, 3. Aya. Avec Kamura. Parfait. Quand tu vois la photo, c'est logique, mais je pensais même pas à ça. Trop bien, ouais. Elle rêve d'être chanteuse, mais elle vit dans un endroit où la musique est interdite. Ça marche. Ça dénonce en plus. Ça marche. Oh, bah facile. Oh là là, et vas-y, c'est bon. Pourquoi les faciles, ils sont dans moyen? Vas-y, on le plie celui-là. 3, 2, 1. Greta Thunberg. Ah oui, pareil. Facile. Elle commande une crêpe flambée, mais il s'avère que cette crêpe flambée, elle est faite avec du sucre magique. Et quand elle la mange... Elle devient du sucre. Pas fou. Pas fou. Moi, je pense avoir ma réponse. J'en ai noté un. En fait, j'ai peur de me précipiter et de pas avoir bon. 3, 2, 1. Gérard Depardieu. Et voilà! Attends, c'est la même personne! Genre, c'est super bien reproduit. Tu sais, c'est le roi qui meurt au début. Dans le début de l'histoire, il est malade et il meurt. Celui dont on se dit, ah ok, je comprends pourquoi il y a ça après. Ou en fait, il apparaît dans des flashbacks. Ça lui va très très bien. GG qu'on embrasse, hein. Alors déjà, si je peux me permettre, elle sort tout droit du nouveau Arthur et les Minimoys. C'est le ce côté-là de la coupe qui te fait dire ouais, ça. Ouais, il y a un truc sur un petit peu elfique. Ah, sur, oui, c'est vrai. Je n'ai pas. Alors là. Déjà, youtubeuse, c'est non. Et même là, on dirait que c'est tiré d'une image de film. T'as pas une pose comme ça sur une photo malin. Hashtag analyse. Veux-tu un frisque? Alors, j'ai toujours vu ça dans les pubs, mais j'ai jamais goûté de ma vie. Attends, je l'avale. Je pense avoir. Moi, j'ai un truc à proposer en tout cas. J'ai rien là. Mais je suis sûr à 20%. Eh les gars, en attendant, c'est le moment de lâcher votre meilleur pouce bleu. Pouce bleu. Mais comment dans la même catégorie, Greta c'est trop simple et elle c'est dur comme ça? Tu penses que c'est notre génération ça? Je pense que ouais. Moi, je pense à un film. Littéralement, ma réponse est la meuf dans. Ce mec, ça reprend ou quoi ça? Ouais, Novan. Bah, mais trop bien comme, Novan. Comme annonce en fait. Ça y est, j'écris. J'ai grave envie de faire venir des gens de ouf pour une vanne. Et tu sais, ça rend le truc incroyable parce que... Allez, faut répondre. Tout est dans le sourcil. Y'a pas l'appli de Détoon? Putain, c'est sûr qu'il y a des gens qui l'ont trouvé direct et ils se disent mais passez à autre chose, c'est bon, vous l'avez, c'est sûr. Ouais, ils nous trouvent chiant. Ah, je partirais bien sur une chanteuse. 3, 2, 1, la meuf Dua Lipa. Dans Hunger Games. Waouh! Franchement, pas déçu parce que j'aurais pas trouvé. Moi non plus. Mais en plus, je vois ce que tu veux dire un peu parce que ça fait très film la manière dont elle est. Ouais, genre. En mode j'imaginais un arc en dessous du coup dans l'image. Ah, c'est très wax. Non, rien à voir. Oh bah. Bah, c'est lancé. Bon, Y a besoin d'écrire. Y a besoin de l'écrire ou quoi? Attends, par contre, s'il est malin et qu'il a fait des pièges. Mais là, je pense pas avec la cuisine. Ah, c'est bon, Britney Spears quoi. 3, 2,
1. Angèle. C'est Angèle. Bravo. Personne ne prend l'avantage sur l'autre. Pourquoi ça lui a fait un visage de peur, c'est terrible. Un pitch pour elle, là. C'est la plus petite femme du monde. Et elle vit dans un monde où les gens grandissent toute leur vie. Et elle a une malformation qui va finalement être son atout. Qui va lui permettre d'entre guillemets sauver peut-être sa ville, son royaume, le monde. Et pour le coup, le grand méchant sera vraiment grand. Puis c'est tout, quoi. J'ai pas de... C'est tout, quoi. Et c'est mignon. C'est un mode de oh, oui, ouais. Ta différence faisant ta force. Ah bon, en fait, je veux juste gagner une manche de corps. Je suis venu pour ça. Il peut être énormément de gens. Il y a une vraie calvasse, par contre. Ah, il est très, très dur. Je plisse les yeux, mais ça, parce que ça crée l'image en noir et blanc test. C'est un truc très simple, sauf que l'appli, l'algorithme a fait de la merde. À cause des lunettes, à cause d'un élément qu'il doit avoir, tu vois, c'est un truc comme ça, en vrai. Ok, moi, j'en ai un, je veux le tenter. Celui que je veux dire, il a rien à voir. Un, deux. 3. Master V. J'y ai pensé à Ivy aussi. Je me suis dit, ah, c'est Mister V, c'est sûr. Mastu. Oh, je pense savoir quelle photo c'est en plus. Là, je pense que tu me termines. Ah ouais? À mon avis. Sur une Photoshop. Oh, c'est vicieux de ouf. Oh. Bah, 10 points. Je suis choqué, là. Je connaissais la photo, putain, c'est horrible. Putain, bravo. Ok, c'est des 3 points, là. Vas-y, là, je speedrun. Ok, j'y vais. Oh, attends, je sais plus comment il s'appelle. Putain, il fait penser à un perso de GTA, San Andreas. Ah ouais, le dessin. Le dessin est très... Ouais, le dessin est très GTA San Andreas. Hein. Putain, moi, c'est les lunettes qui me mettent un énorme doute. Ok, parce qu'en fait, moi, j'avais... Ah, l'acteur dans. Et il me fallait le nom de l'acteur. Pour moi, cette personne... Et Gims. En fait, il a la coupe de cheveux de Gims. Il y a un truc très Jay-Z aussi. Mais moi, alors, ce que j'ai mis, c'était... T'as déjà vu Bad Boys avec Will Smith? Ouais. Et Martin Lawrence. Mais de fou, c'est le collègue de... C'est le collègue. De c'est fou. Martin Lawrence. C'est vraiment le même humain, quoi. Oh, et si c'est pas lui, je suis dégoûté. Mais... Waouh. Du coup, j'ai tenté ça. Alors là, mais... Bah, j'ai... Là, tu m'enterres, si c'est ça. Gims, ça marche aussi, hein. Oh, c'est Gims. Gims en toon, c'est Martin Lawrence. C'est fou parce que c'est un peu injuste. Ta réponse ressemble plus à ce que c'est vraiment. Mais wow. Bien joué, bien joué. Je l'ai instantanément. Je peux complètement me tromper, mais je pense l'avoir instantanément. C'est un beau chauve. À ce niveau-là, les gens qui froncent les sourcils et qui ne sont pas contents, il l'a. Il a surtout un manoir à plus d'un milliard. C'est marrant de le teaser avec une anecdote comme ça. Parce que, effectivement. Juste pour voir si on est sur la même longueur d'onde. 3, 2, 1. Vladimir Poutine. Putain, mais oui! Il ressemble deux fois plus maintenant à Bosoulis qu'à Vladimir Poutine. En plus, il y en a un. Le type, t'es en mode. En fait, c'est Poutine américain. D'où? C'est Vladimir Poutine, président des États-Unis. Des États-Unis. Ouais. Qu'on embrasse d'ailleurs s'il nous regarde. Évidemment, un gros bisou. En fait, on a faux sur toute la ligne depuis le début. Mais pourquoi donc? C'est juste la première fois que tu vois Buzz l'éclair sans sa combi. Oh. Le cassage d'enfance. Moi, je trouve que c'est un patron d'entreprise très ferme et très gentil. Il regarde les gens, il fait « Joue !» Il veut que les gens s'amusent. Ah, il est gentil, mais méchant. Ouais, mais en fait, c'est juste un patron sévère. Et d'ailleurs, c'est le nom du dessin animé, Patron Sévère. Pas ouf. C'est un jeu mot avec pas trop sévère. Ah. Et au Québec, c'est patron sans langue de bois. Oh, facile. Bah, en vrai, je pense que je l'ai aussi. On débite, en fait. On rush, on est chaud. Attends. Attention, il réfléchit trop. Je pense qu'on a le même et que t'es pas sûr. 3, 2... Hein? Elon Musk. Putain, t'as dit ça aussi? J'étais sûr. Moi, je suis pas sûr de Ah, moi, je suis sûr que c'est Elon Musk. Putain! J'ai fait deux recherches, Elon Musk et Brad Pitt. Oh, ça me rend fou. J'avais les deux. J'étais sûr d'Elon Musk. Ah, ça va être dur de se rattraper. J'ai aucune propale. Mais non. Ok. Mec, c'est je l'ai pas du tout, c'est horrible. Bah, j'ai envie de dire... Moi, c'est bon. Je me... 3, 2, 1. Whitney Houston. Oh, ça va être Rihanna. Pourquoi je l'ai pas vu? Oh, bâtard. Le nez et le, le regard. Le même, bien joué, ouais. Sa mère. Ah ouais, qu'est-ce qui m'a fait douter? C'est les cheveux, moi. Mais en vrai, Rihanna. Moi, j'ai reconnu la boucle d'oreille. Le fou. Putain, je suis dégoûté. Attends, il est logique, lui. Je l'ai 100% sur cette fois. Oh, c'est bon. Ok, je le tente en mode première idée, qu'est-ce que c'est? On y va à la cache, comme ça? Cache. 3, 2, 1, Emma Watson. On est chaud, on est Hop chaud. Hop là, et c'est Hermione ou quoi dans Harry Potter? Eh alors? On a beaucoup souffert d'ailleurs, il y a un reportage sur elle qui est incroyable, qui est super intéressant. Ok, cool. Où elle parle de la notoriété et de toute la merde que ça lui a apporté, et il est super intéressant. En fait, il y a un vrai syndrome du t'as trop de succès pour un truc. Femme extrêmement forte, ouais, Emma Watson. Très inspirante. Ah bah facile. Attends, c'est bon, quel ennui.
C'était pour te mettre un coup de pression, en fait, je l'ai pas. Ah, tu l'as pas, moi je l'ai. Ah ouais ? Peut-être que non, peut-être que oui. Allez, j'attends. 3, 2, 1, Nicki Minaj. Billie Eilish. Oh ! Nicki Minaj. Rien à voir, vraiment, genre, les deux. Ouais, je dis. Oh ouais, putain, elle est logique, putain, en fait. Putain, mais oui, de fou. Putain, on est cool. Ah mais moi, en fait, j'étais dans la phase du Billie Eilish quand elle avait les cheveux gris. Nicki Minaj, rien à voir. Oui. Rien à voir. J'aurais jamais dit ça. Le tout n'est ultra convaincant, genre. On dirait presque réponse. Réponse qui a TikTok. Voilà, c'est ça. Bah, je connais même la photo de base. Le coup de pression psychologique. Tu m'as mis un coup de pression incroyable. Ça part. Hein. Je pense que c'est un politique. C'est quoi son histoire? Son petit Pixar à lui? Je pense qu'il hurle pour énormément de choses qui lui déplaisent. Le dessin animé s'appelle Hurle. 3, 2, 1, Jim Carrey. Jean-Luc Mélenchon. Bah... Ah, ça marche, hein. Jim Carrey. Jim Carrey. Je pense que oui. J'ai un Bruce Tout-Puissant. Un... Ah, oui, dans ça, putain, incroyable. Tu connaissais vraiment la photo de base? En fait, j'avais un flash de la photo. J'adore Jim Carrey. Waouh. C'est fini, alors, un gagnant? Oui, quoi. Excusez-moi, mais regardez ce que je trouve. C'est un truc pour sabrer le champagne. Avec ce nombre de points contre ce nombre de points pour moi, j'ai perdu. Point, stop. Y'a pas à dire de plus. Donc, Seb, tu vas me choisir une mascotte. Il faut que tu fasses un shooting et tout? Ouais. Waouh, tout est laid. Le principe même de la vidéo, c'était des Disney, Pixar, DreamWorks, ce que vous voulez comme studio d'animation. Cheap. Le costume doit être... Le plus cheap possible. Cheap. Je peux alors, me permettre bah, du de... coup, navigue. Mais bon, c'est... Le dinosaure, il me fume. Ouais, il est terrible. Attends, mais... Attends, c'est fou. J'ai envie de tout voir. Tu pourrais remettre au ralenti le fait que je viens de me manger ton micro dans la... Ah, bouche. Tu l'as pris? Ah, j'ai pas vu. Titi. Regarde Titi comme il est laid. Ah ouais. Ah, waouh. Terrible. Sonic. Putain, Buzz l'éclair, on en parlait. Ah, il est moche. C'est Buzz Leclerc. Ah. Ils ont pris la photo dans l'entrepôt. Un cactus. Ah, c'est nul. Putain. Ah, Woody, il est laid. Attends, faut être un objet. Là, tu peux pas faire un strip crème avec ça. Wow, le 15 pourri, quoi. Mec, c'est très dur, hein, de choisir. Oh. Les... Il y a le pot qui est placé et la plante qui continue dessous. Oh. Non, si tu fais une photo avec ça, tu marques agri-gris. Il est avec sa Pokémon. Elle va être attachée au costume. Ça veut dire que tu vas avoir le bras comme ça. Mais attends, mais pardon, mais... les yeux. La gueule du truc, tu vas avoir du truc. Dora The Adventure. Tu mets 250 euros dans ça? Mais y'en a qui le font. Oh. Quoi? Quoi? Ah, c'est d'un ridicule. Oh. Mais lui, oui. Il passe nulle part. Je crois que c'est mon préféré. Trois slides avec ce costume. Ça flex, petite ambiance. Et vous aurez le résultat sur Insta, évidemment. @joyka. Et pour l'Insta de Seb, c'est @seblafrite. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était un plaisir de tourner avec Seb. Pas la dernière fois, j'espère. En tout cas, c'était trop lourd. T'es très bon pour ça, c'est perturbant. Maintenant, j'ose plus parler. À la semaine prochaine pour une nouvelle. Double shot.